On passe les gars. Cet enfant, quasiment sourd et muet, présente bien des traits étonnants. Chez lui, l'ordre des sens paraît renversé. C'est l'odorat qui semble plus développé. Viennent ensuite le goût, la vue, enfin le toucher. Mais il prend peu à peu les habitudes de la société des hommes. Il est certain que le sauvage ne manquera pas d'être émerveillé par les beautés de la capitale. Souhaitons qu'une éducation rapide nous permette bientôt de l'entendre donner sur sa vie passée des renseignements les plus piquants. Relisez-moi le passage sur les beautés de Paris, c'est la meilleure. La société des hommes, il est certain que le sauvage ne manquera pas d'être émerveillé par les beautés de la capitale. Par les beautés de la capitale, non, c'est incroyable, vraiment incroyable. Professeur Pignel, docteur Itard, le sauvage est sur le point d'arriver. Allons voir. Mais soyez pas nerveux, vous êtes content, hein? Paris, 1m39. Il doit avoir 11 ans. Peut-être 12. La peau fine, de couleur foncée. Le visage ovale. Yeux noirs. Des cils, des paupières longs. Cheveux bruns, menton arrondi. Bouche moyenne, langue normale, bien détachée, dentition normale. Bref, à l'extérieur, rien ne le distingue de la présence. Vous avez vu? Il n'a pas réagi. Asseyez le dos à la porte, je vais faire un essai. Bien. Il est sourd. Et pourtant, au village, je l'ai vu se retourner quand quelqu'un a cassé une noix derrière lui. Écrivez. Indifférent à l'égard des bruits les plus forts, alors qu'il se retourne quand on brise une noix derrière lui.